Abraham, Isaac, Jacob, ma way. Nya tepe ton enye chou ma fome yi ma fome. Gade wo nya tepe fa fiam lente ya. Gade wo nya tepe nye nye fiam lente ya. Wonu ka tri chou le miatome. Ho amon le bafinya finyame. Na koko ak braola mochi. Tono wako toyo yo. Bafa wachi te aswazone. Nte kanya yabe subo subo wa. Ne positionne amede.
ne transformer amede le Yesu Christo ben comme intekanya ya be subo subo ne restaurer amade le domaine au patame intekanya ya meta pena la be mienye ba gaja wo nu te pele miato ben le Yesu ben comme mieto berale ma ofio no globe amen. 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 Daniel Mao, let's see, I see pain and I see in the blood for Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 Tourne-toi vers ton frère, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Tell one, two, three people, Mauna Yrao. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Tu n'arrives pas à dire à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ton frère qui est à côté que Dieu te bénisse. Serre-lui la main avec joie. Que le Seigneur le bénisse. Tu n'arrives pas à dire cela. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Tout bon. Lève-toi, dis à ton frère que Dieu te bénisse. Mettez le bleu. Tu n'arrives pas à dire à ton frère. You can never tell your brother, God bless you. Tu ne peux pas dire. Voilà. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tout bon. Seigneur, et veuillez vous asseoir doucement.
Veuillez vous asseoir doucement. Praise God. Hallelujah. Vive acclamation Jesus. Clap for Jesus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tourne-toi vers ton frère. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Praise God. Et ce matin, je suis là au nom de la parole de Dieu. Et je vais libérer la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Amen. Amen. Et ça fait quelques jours que nous avions entamé une marche, un thème, et ce matin, nous allons l'achever. Praise God. Hallelujah. Et le thème de ce message s'intitule « Briser les mauvais fondements ». Pour qu'on puisse traiter, tisser une haute alliance avec le Seigneur. Si tu ne brises pas l'ancien fondement, tu ne pourrais pas bâtir un nouvel. Praise God. Hallelujah. Si tu brises l'ancien fondement, ça bâtit un nouveau. Sache qu'il y a un danger dans ta vie. There is no way a spirit can walk with you without a foundation. Et il n'y a aucune voie par laquelle l'esprit va travailler par toi sans la fondation. Yes. Il n'y a aucune relation entre vous, mais aucune alliance fondement entre vous. Il va se tenir sur quelque chose pour agir en ta faveur. Amen. Amen. Et maintenant, Et tu, si tu vois dans Psaume 50, le Seigneur a demandé à ce qu'on rassemble les fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Et depuis le mercredi surpassé, c'est ce que nous avions fait en brisant les fondements. Et aujourd'hui, ce serait une autre phase que nous allons toucher. Praise God. Alléluia. Alors, Dieu soit loué parce qu'il a permis à ce que nous soyons ici ce matin. Seigneur. Écoute ceci. Maosubo. Le service et l'adoration de Dieu. Je vous le dis chaque jour. It's not about friendship. Et ce n'est pas une affaire de la familiarisation. Praise God. Alléluia. It's a personal decision. Et c'est une décision personnelle. Mon frère a fait ceci, celui-là a fait cela. Non, ce n'est pas là le service de l'Éternel, bien l'adoration de Dieu. Praise God. Alléluia. Et ne bien soit. Et si tu veux marcher avec Dieu, et tu dois savoir que tu entres dans une autre chose. And Jesus said this in the scriptures. Et Jésus a dit ceci dans les Écritures. Et ben, la marche avec moi dont nous parlons amènera la division dans les familles. How do you get it? Et comment est-ce que tu l'as compris, tu l'as reçu? Ça veut dire tout simplement tous ceux qui veulent me suivre à cause de la détermination et de la décision qu'il va prendre. Avec certaines personnes, il n'y aura plus cette familiarisation comme il le faut, bien cette relation. Praise God. It's a personal decision and a personal movement. And you know, I'm a role in no maga jochinao.
Pourquoi renier son enfant biologique? Parce qu'il est entré dans une adoration qui ne l'a pas plu. C'est ce qui a amené la séparation. Dès que tu entres dedans, il y a certaines personnes qui vont se réjouir et d'autres qui ne seront pas de ton côté. Alors si tu veux marcher avec Dieu, bien-aimé, je te supplie, be careful about those things. Et faites très attention à propos de ces choses. Et sois rusé dans l'adoration de Dieu. Praise God. Alléluia. Sois vraiment rusé. Le fume, souvent. Et dans l'adoration au niveau de la famille. Familiale. Au niveau de ta famille, en fait. Ah non. Se familiariser dans l'adoration de Dieu. Sois vraiment rusé, sois prudent. Praise God. Alléluia. Yes, Jésus l'a fait, nous l'avons vu. Apostle, ainsi que les apôtres. Disciples, les disciples l'avaient fait. Et ceux qui avaient marché avec le Seigneur, nous les prenons comme des références et voyant leur marche aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Ce matin, et nous parlons des alliances et de la recommandation de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Et si tu tisses alliance avec Dieu, il y a des recommandations et des lois qui l'encombrent. Et tel que nous l'avons vu lui auparavant, la personne a dit, avant de tisser alliance avec moi, voici mes conditions. Praise God. Alléluia. Et toute alliance, il y a des recommandations et les conditions qui le suivent, qui la suivent. Et devant Dieu, et cela ne veut pas dire que tu es venu tisser alliance avec le ténèbre et parti. Tout ce qui est dans le Seigneur vont te suivre, non? Écoute ceci ce matin. Et tel que nous signons des contrats dans des entreprises, et on nous donne des contrats de travaux à faire, et dès que nous commençons ce travail, mais va le honorer contrat avec règlement au résigner dans le contrat le mien. Et si nous n'aurons pas le règlement de ce contrat, et il résilie ce contrat avec nous, c'est ainsi qu'être devant Dieu. Et si l'homme a la sagesse par rapport à ces éléments, et sache que c'est Dieu qui a, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé l'être humain, et c'est lui qui a octroyé la sagesse et à l'homme. Et réagi dans alors si l'homme réagit de cette manière et parle en disant, je t'ai donné un contrat, un travail est suivi d'un contrat signé, et voici comment nous devons travailler. Tu n'arrives pas à honorer ton engagement, et il a retiré contrat là, alors je vais retirer ce contrat de il a brisé, moi, là, si et briser, résilier le contrat que nous avions signé. Alors comprends que devant le Seigneur c'est ainsi. So you should never take things for granted. Alors tu ne vas pas le prendre à la légère. Gardons-moi. Et des fois, et nous croyons comme si nous venons à l'église et prier, et cela veut dire que nous marchons devant Dieu. Et tout le monde prie. N'as-tu jamais vu un féticheur prier? Alléluia. Même les païens, les mondains prient. Et tout le monde agit d'une manière soi-disant qu'il prie. Mais ce qui va amener la distinction, mais la différence, c'est ta marche avec le Seigneur. Tel que tu marches avec lui, c'est ce qui va révéler, va montrer que toi avec celui-là et votre marche ensemble, il y a une différence entre ces. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 4, et t'a amené le verset 2. Oui, à me vivre. Praise God. Alléluia. Corinthiens 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Que nous sigapede utila, yenyebena, wodina choa, honuviogbo, benawak pao. Nous te faisons la
Praise God. Hallelujah. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Amen. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, et les recommandations ainsi que les lois qui l'incombent, nous écoutons, on nous dit d'être obéissants. Praise God. Alléluia. D'être des gens patients. D'être des personnes qui vivent dans la sainteté. D'être des personnes fidèles. Mais lorsque j'ai lu de la Genèse à Apocalypse, à me mettre reprise, et je continue par le lire, et j'ai reconnu quelque chose dans la Bible, et Dieu me l'a donné pour que je puisse le partager avec vous ce matin. That is faithfulness. Et c'est la fidélité. Amen. Amen. As one of the keys of the covenant. Et c'est l'une des clés de l'alliance. The law. Les lois dans cette alliance, voici l'une de ces lois-là, la fidélité. Praise the Lord. Hallelujah. A man who is never doing this, who is never fidèle. François, le combien non? Fidèle. Oui. L'homme qui n'est pas fidèle. Fidélité. L'homme qui n'a pas la fidélité en lui. He can never access any good thing from the kingdom. Il ne peut jamais accéder à aucune bonne chose dans le royaume. Praise God. Hallelujah. The apostles of the gospel. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre de l'évangile. Il a envoyé une lettre à l'église de Corinthe. Que ce qu'on demande de vous qui êtes les dispensateurs, c'est qu'il soit fidèle. Amen. Amen. In everything you see yourself doing in the house of the Lord. Et tout ce que tu te vois faire dans la maison de Dieu, et tout ce que tu exerces dans la maison de l'Éternel permet à ce que cette fidélité se reflète dans ta vie. Praise God. Alléluia. When you are not practicing this thing, et si tu ne pratiques pas cette chose, il n'y a rien sur cette terre qui vient de du royaume que tu pourrais posséder. Bien aimé, si nous venons à l'église, et jeûnons, et prions, mais ce n'est pas fini. Et ces éléments n'ont même pas encore bougé le Seigneur sur son trône. I never heard in the scriptures. Et je n'ai jamais vu ou bien écouté dans les Écritures. Et que celui-là, il a été identifié ou bien donné comme référence dans la Bible. Et le Seigneur lui a imputé cela à justice. Que ce dernier a prié, le Seigneur lui a imputé cela à justice, non. Alléluia. Mais ce que nous avions écouté, nous avions lu et que ces personnes ont été des gens fidèles. Praise God. Alléluia. Si tu es fidèle devant le Seigneur, fasting is not an obligation. Et le jeûne n'est pas une obligation. He will dispose everything at your feet. Yeah. Il va disposer toutes choses à tes pieds. Praise God. Hallelujah. You see, this our generation. Et notre génération, si nous nous cachons derrière ces éléments, et croyons que nous malmenons quelqu'un. Number one, la première des choses, tu perds ton temps. Number two, attention, et secondo, si une mort t'apporte ou bien t'amène. Mort subite, il est là. Et si une mort subite t'amène, you are finished. C'est fini pour toi. La Bible dit aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, sa parole, et n'endurcis pas ton cœur, tourne-toi vers lui. Ce qui veut dire que at any time, at any minute, et chaque temps, bien
chaque minute. Nada la tentrofa. Dans n'importe quel moment, il peut avoir vraiment quelque chose ou bien un changement. Praise the Lord. Alléluia. N'est-ce que Colossiens chapitre 4. Si tu lis Colossiens chapitre verset 7. 4 le verset, verset 9. 9. Oyo ma dans le fuma. Le nom de quelqu'un est donné là-bas. Ben onye nous te fait voilà. Et que ces gens sont des personnes juste ou bien fidèles. Khlena masera, khlena masera. Khlena masera. Mais dis-moi toi tu nous matin ya. Colossiens 4 le verset 7. Tichik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre. Et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Verset 9. 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Le fidèle, mais Christo, est connu que apostre le yo amade benko le ebenu tefe wo wome. Oh my God. Bien-aimé, vois-tu comment l'apôtre Paul donne le nom de quelqu'un et dans sa fidélité, et son nom est écrit pour que tu puisses le lire. Et il y a les Colossiens 4, 7. Et il y a les Colossiens 4, 9. Et il y a nous te faisons là où nous avons tombé. Il y a un mot qui est. Il a donné le nom de quelqu'un dans Colossiens 4, 7 et le second nom dans Colossiens 4 et 9. Ils ont été fidèles. C'est pour cela que Dieu a été avec eux. Si tu veux que Dieu marche avec toi dans cette vie, la première des choses, la première qualification que tu dois chercher pour ta vie, c'est la fidélité. Chrétien, si tu n'es pas fidèle, aucune bonne chose ne peut venir de la main de l'Éternel pour toi. Ni aucune protection. Ni la délivrance venant de Dieu. Et aucune libération, non. Et sans la restauration. Alléluia. Alors si tu es dans la vie, alors tu n'as pas mis cela en pratique. You didn't build any capacity for it. Et tu ne bâtis aucune capacité pour cela. N'attends rien de grand venant de l'Éternel. Et n'espère pas l'Esprit de Dieu pour toi. Seigneur, écoute ceci. Avec fidélité, ta fidélité. Et tu n'es pas fidèle pour ton pasteur. Et non pour aucune personne. Et si l'on te demande d'être parmi les fidèles, tu ne le fais à aucune personne. C'est pour toi-même. Et là, tu vas recevoir la récompense de ta fidélité. Et tu ne vas pas recevoir la récompense de la fidélité que je tiens. Et je ne crois pas que Colossiens 4, 7, 9 que nous venons de lire. Et à cause de la fidélité de Paul, que ces gens ont été qualifiés, non. Que eux-mêmes, ils ont été des personnes fidèles. C'est pour cela que Dieu les a envoyés. Bien-aimés, chaque jour, l'infidélité, c'est ce qui constitue le problème de l'Église. C'est ce qui vous a transformé ainsi. Et celui qui n'est pas fidèle devant Dieu, qu'est-ce que Dieu pourrait faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il peut recevoir de la main de Dieu? Et nous venons de le lire tout de suite dans le livre de Corinthiens. Mais ce qu'il espère de nous, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Aujourd'hui, nous sommes remplis de l'hypocrisie. Chrétien, ce cœur ne vous fait pas mal jusqu'à présent. Et le cœur de l'hypocrisie, hein, ce n'est pas vraiment amer en toi. Et se conduire indépendamment jusqu'à présent, tu n'es pas fatigué. Are you not tired? Et tu n'es pas fatigué. Et n'es-tu pas fatigué? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Et tu n'es pas fatigué de la vie de l'hypocrisie? Et tu n'as pas le fait là. Et ton cœur là, hein, ce n'est pas vraiment, ça ne te fait pas mal jusqu'à présent? La Bible dit, et ce qu'il espère de toi, c'est la fidélité. And it's one of the laws of the covenant. Et c'est l'une des lois de l'alliance. Et tout le monde qui tisse alliance avec le Seigneur et les récompenses vont suivre. Sache qu'il y a les recommandations ainsi que les lois qui les suivent. Praise God. Alléluia. And ne nous pas watcher les siens. Alors s'il y a la fidélité parmi ces lois, et nous ne sommes pas fidèles, comment allons-nous posséder ces récompenses et ces salaires? Le service et l'adoration de Dieu. Et il y a aussi la fidélité dedans. Le fait de venir à l'église, il doit avoir la fidélité dedans. Là, dans la prière, il doit avoir la fidélité au milieu. Le don, il doit avoir la fidélité dedans. Ainsi que le jeûne, il doit avoir la fidélité. Nous ne serons pas en train de jeûner. Toi, tu seras en train de mener autre vie. Où est-ce que tu es fidèle? Et le Seigneur dit, rassemble-moi mes saints pour que je puisse entrer au milieu d'eux. Alléluia. Tu dis le culte du soir, la manche ne pourrait pas venir. Où est ta fidélité dans l'adoration de Dieu dans ce côté? Dimanche, c'est un jour spécial pour le Seigneur. Viens adorer. Et pour que je puisse opérer de grandes choses au milieu de vous. Te voilà le dimanche à la maison. Il y a raison bidonville. En donnant des raisons bidon bizarres. Si Jésus arrive maintenant, et tel que ce dimanche, que je vais faire une œuvre de grâce. Là, je ferme mes yeux sur vos iniquités. Et ceux qui étaient là ce matin, alors je vais partir avec eux. And you are in the house. Et tu es à la maison. Et tu t'es caché derrière Facebook. Mais il est souvent mal. Soi-disant, j'adore Dieu. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Praise God. Hallelujah. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Tonyo, bien-aimé, Maou suba. Et l'adoration de Dieu, nous te pas au la noémé. Il doit avoir la fidélité au milieu. Not to talk about our material things. Ne parlons pas de choses matérielles, non. Praise the Lord. Hallelujah. Mais ont-ils un bébé nous? Les choses matérielles, les choses physiques. Safari. Kuda Ananias. Ochon, one talk ben nous, mebeleko. Ananias et Sapphira, ils ont vendu leur propre bien. Attention, nous quand dit maula wiro. President the Lord. Hallelujah. Wa yen to wo be to po be gasele ke mi gbono na yen to to yen to le idonyo me nyu me na dimo me kamareka o. Na nyu me na fo sa me kamareka o. President the Lord. Hallelujah. Na ne ko wa cha wo wa. O sa wa to wa be nu. Yo de kadele me. E ka ko de le me a. Ko va over apostle o gba to na apostle benare. E ke yo sa e bi ese benare. Nu kan ti nu von a je dada yo un von me nenu wa. Nu te pe ma o ma wa. E ko le so de ku pata me le yen to. Ananias et Sapphira avaient vendu leur propre bien. Acte chapitre 5, verset 3. Ce n'est pas Dieu qui leur avait donné une propriété qu'après il va leur demander cela. Pierre leur a demandé. Et pourquoi
pourquoi vous allez mener une vie d'infidélité envers le Saint-Esprit. Mais Ce que eux-mêmes avaient donné à coup de l'infidélité dans le don a amené la mort pour eux. Praise God. Hallelujah. C'est Dieu qui t'a créé. Ce matin, lorsque nous sommes réveillés ici, praise God. Hallelujah. Et sais-tu ce qui s'est passé depuis la nuit jusqu'à ce matin? Ce matin, quelqu'un m'a appelé. Ce matin, j'avais reçu un appel. La personne me disait, papa, j'avais voulu venir à l'église et spontanément, l'homme me dit que ma petite soeur est décédée. Mais hier dans la matinée, on a mangé ensemble la salade à la maison. Elle est morte spontanément. Et la personne n'était pas malade en fait. Amen. Amen. Et ce n'est pas un problème qui a été traité d'une manière ou d'une autre, non. Et la personne a fait la salade, ils avaient mangé ensemble. Et aujourd'hui, elle est décédée. La vie dans laquelle nous sommes et ta fidélité, use it as an everyday business. Et utilise-la comme une affaire de chaque jour. Et une affaire quotidienne, Dieu n'a pas dit d'être fidèle dans un élément aujourd'hui et demain louper. Non, il dit d'être fidèle en tout. Bien aimé, Seigneur, écoute ceci. Et tout ce qu'un homme de Dieu sur l'autel va enseigner au peuple, mais les filles de bien intérêt, non. Et il ne l'enseigne pas à cause de son intérêt. Il ne l'enseigne pas pour son intérêt. Mais s'il ne te l'enseigne pas, sache qu'il te tue. Praise God. Hallelujah. So, nous te faisons. Alors la fidélité. Maintenant, je vais te donner les versets dans peu de temps, tu vas le voir. Mais ils ont demandé même au niveau du couple qui est la fidélité. Dans le livre de Timothée, je vais te donner le verset dans peu de temps. Et comment est-ce que nous menons la vie de la fidélité? Et dans l'alliance, et les lois ainsi que les principes sur lesquels ils doivent marcher, et tu verras que les gens l'avaient observé scrupuleusement. I am holy. Je suis saint. So therefore you must be holy. Et que toi aussi tu dois être saint. C'est une loi. Praise God. Hallelujah. Alors si tu ne marches pas là-dessus, tu ne pourras rien recevoir par là. La fidélité, c'est ce qui a couvert tous ces éléments. Et celui qui n'a pas été fidèle, on ne pourra rien lui donner ou bien lui remettre. Il ne pourra jamais être vraiment. Aucune chose secrète ne pourra lui être montrée. Aucune porte ne sera ouverte. On ne pourra pas lui donner autorité ou bien puissance. La fidélité, et c'est ce qui amène l'homme devant le Seigneur. Nombre chapitre 12. Nombre 12, le verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle. Dans toute ma maison. Sa fidélité s'est juste arrêtée là-bas, ou bien il y avait eu des récompenses qu'il avait. Je lui parle bouche à bouche
Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu dit à cause de sa fidélité, et je lui parle bouche à bouche. Et je lui révèle les choses cachées. Non, verset 6, ça m'a sonné fier le fuma. Le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et Dieu dit au peuple, acclame le Seigneur Jésus. Dieu dit au peuple, et s'il y a un prophète au milieu de vous, et je lui révèle les choses par les songes et dans une vision, c'est ainsi que je lui révèle les choses. Mais si tu lis le verset 7 en même temps, mais Moïse, ce n'est pas ainsi que je lui parle. Et pourquoi le cas de Moïse est différent des autres personnes? Pose-toi la question. Je crois que même si un sourd lit ce verset, il va le comprendre. Tel que je fais au prophète, et tel que je marche avec ses peuples, et ce n'est pas ainsi que j'ai marché avec Moïse, parce qu'il est un homme fidèle. Alors la fidélité dont le Moïse a été dans la maison de l'Éternel, afin que le Seigneur lui parlait face à face, bouche à bouche, a permis que le Seigneur lui donne des révélations. Et le Seigneur lui trace des sillons, des voies. Mais à un niveau donné, et dans l'affaire de la croyance sur Dieu, et Moïse s'est découragé, s'est affaibli. Et en cela, il n'a pas été fidèle. Dieu a dit au peuple, et tout qui a vu ma gloire, il a parlé des hommes qui avaient vu ma gloire, les œuvres mystérieuses que j'avais opérées avant de me blasphémer dans le désert. Et parce qu'il y avait eu des gens qui avaient espionné Jéricho et au retour, ils avaient ramené vraiment ce qui s'est passé là-bas. Et Moïse s'est prosterné en murmurant, en parlant, Dieu voici, voici. Mais la Bible, ben, eh ben, du quoi que nous donnons à Joshua, Kudo Caleb, Waweva notre, du quoi ben goletono ben a, mais nous Waweva nous goblo ben mau wonu ya. Mais Caleb et Josué se sont tenus devant le peuple en les fortifiant, en les encourageant, leur disant, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait ceci, par là, par là. Et c'est c'est pour cela que Dieu a dit, j'ai vu un autre esprit en eux. Cet esprit vient d'où? Mais la fidélité, la croyance aux choses, sur les choses de l'Éternel a permis cela. Si aujourd'hui l'on nous demande de servir Dieu à travers nos proches et autres, nous nous retirons. Où est la fidélité? Où est la fidélité?
Where is our fidelity? Où est notre fidélité? Faithfulness. La fidélité. One of the problems of the church. L'un des problèmes de l'église. Il y a besoin de cocouti et pour le groupe maintenant, pasteur. Est-ce qu'il constitue un joug? Parce que nous te fait mawawota. À cause de ton infidélité. Où ton yabe yemai où nous te fait. Et toi-même tu sais que tu n'as pas été fidèle. On le dit argument. Et tu cherches des arguments. Ton infidélité propre à toi. Là, tu cherches des arguments, des raisonnements. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Tu sais très bien que tu n'es pas fidèle, en fait. Bien-aimé, mon frère, arrête cela. Ne donne pas des arguments. Par-ci, par-ci. Alléluia. Stop that. Arrête cela. Daniel chapitre 6 verset 4. Daniel parle par l'état matin. Oui, you amen. Must know. Tu dois savoir. C'est l'église qui écrit les 1 Corinthiens 4 2. Obé nous colle ne top pas le mien bonnier nous te pas wawa. Et tel que nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 4 2 que ce qu'il espère de nous c'est la fidélité. Yes, Daniel 6 4. Daniel 6 le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. My God. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Praise God. Hallelujah. Look at this scripture. Regarde cette écriture. Obé du corps tato. Et que les satrapes de ce pays, Daniel veut tato. Les devanciers, les conducteurs de Daniel. Amekao, les responsables, les grands. Ont fouillé de Katia. Ils avaient fouillé, scanné Daniel. Les défauts de l'entité. Et cherchant une faute autour de lui. Nous concourir souvent, souvent mais. Et concernant l'adoration, bien servir Dieu. Quand on marche là, naïe a fouillé à mer. Avant que quelqu'un ne se tienne fouiller une personne. A défaut de la marche. Et chercher la faute dans la vie. N'y a pas nia nous courir nous coller ouanti. Est-ce qu'il veut dire qu'il a la connaissance par rapport à ce que tu es? Et tout en noir. Et il connaît le nœud et la source. Et bien alors un comptable de ton mère. Aujourd'hui, si les comptables sont reçus au service. C'est le directeur que vous êtes toi mère. Le directeur qu'il a embauché. Comptable à la tête fluide mais. Allô mes blama. Hello. Hello. Directeur qui est au comptable, la comptable là te fout le directeur. Le comptable qui est embauché, le directeur. À chaque fois, elle a fouillé demain, matin, elle a fouillé demain. Le directeur qui est embauché. Comptable au final, directeur, oui. Matin, ton abonné au final, oui. What are you talking about? A toi la signe. Comptable au final, directeur, oui, le domaine. Les comptables vont le directeur. Et nous, on dit, nous, à finir avec un auditeur, on va le soupirer, un comptable, mais on va faire, oh my God. Et c'est pour cela qu'après quelque temps, ils amènent les auditeurs pour auditionner et voir que les comptables finissent le directeur dans le domaine. Les comptables volent le directeur dans le domaine. Et si nous finissons avec un auditeur, on va expertise. On espère, on va. Nous, que comptable finit 2003, on a détourné le 2022. C'est pour cela qu'après quelques temps, ils amènent des auditeurs pour faire l'expertise dans le service. Et ce qu'il a volé depuis 2003, tout sera mis sur le tableau. Maintenant, état gouvernement Togola, on a auditeur au Dakar. Nous allons y loger now. So I know what I'm talking about. Le gouvernement togolais. On a auditeur au Dakar. On va nous allumer les fiers. On a auditeur au gouvernement. Le gouvernement togolais. Amène des auditeurs depuis Dakar. Yes. C'est moi qui les loge. Ils viennent faire de l'expertise ici dans la nation. Et on a véhiculé, on a deux semaines, un mois. On dit qu'on a l'administration. C'est moi qui les cherche le logement et les véhicules et autres. Donc, on a quoi on a nous que on a voici les ficolia. Là où ils sont. Ficolia. Et là où ils sont. Auditeurs au Togo. Il y a les auditeurs au Togo. Eux aussi, ils font leurs œuvres. Quand on travaille pour nous, on a beau le soupirer, on a beau sauver, on a beau nos fruits. C'est, nous, on est directeur d'entreprise, au moins comptabilité. À m'aider à mon school, quoi. Ma ouïre, et on va faire quoi, quoi. Nous, on est comptable, les chacun, on est comptable. I know the way they work. Mais pour avoir tout, on a ce qu'il y a. Si tu es le directeur d'une entreprise. Donc, on est directeur comptable, on a fait un peu de temps. On l'a battu à l'autre.
Un directeur sache que le comptable peut ramasser tout dans ton service. Mais quoi c'est maintenant là? N'as-tu pas vu les dames du marché? Et pourquoi ces personnes tombent dès qu'ils amènent un homme? La personne ne sait même pas qu'on l'avait tué, on l'avait volé. Elle ne savait pas. Magasin au laissant. Il y a des magasins. Marchandise sur le taux le va, mais ça ne va pas vous faire. Non, mais à moi, j'espère. Les magasins sont là suivis des marchandises, import, export et autres. Si c'est Daniel, ben y a mère. Alors, dans cette affaire de Daniel, c'est comme et comprenez. Mais à ma d'autres fouillé Daniel. Qu'il y a certaines personnes qui fouillaient Daniel. N'y a pas, mais on espère, on y a le nous qu'on le voit. Et certaines constituent des personnes espèrent dans ce Daniel que Dieu m'a ouvert pour voler. Sur qui avait l'esprit de Dieu. Et l'esprit qui rêvait, qui explique le rêve. Et l'esprit qui révèle le sens que la personne a oublié, l'esprit. Et ce dernier s'est tenu, et d'autres personnes se sont tenues aussi. Et d'autres personnes se sont tenues. Et contre Daniel. Alors il faut savoir qu'ils sont des experts dans la matière. Et ce n'est pas une. Ce n'est pas ici un enseignant. Et celui en qui a l'esprit supérieur, il y a encore d'autres grands qui ont cherché contre lui. Le Daniel le dit du nia gome. Comme ton pogna à l'obéble ou à de ke ou, elle a bena, et dianou corre. Now, if these people are not from the kingdom of God, Praise God. Hallelujah. I was my Bishop Abioye, Adeboye, Kudo Redeem Legonema. Redeem Pastor Legonema. Adeboye. Oye de Poko Adeboye, voilà. Bishop Adeboye, Egboloma Onyare. Bishop Oye de Poko. Et ça va gromonnerre. Il y a un autre conflit spirituel. Amen, y a belle kebele. Pourquoi va y nous amener? Mais quand tu nous viens le mauvais doigt, Adeboye? Non? Gars que moi y a de peau, j'ai mon dogo, mais Adeboye maintenant y a mon poignet pasteur. Oye de peau was a pastor. Adeboye was a driver to a pastor. Lorsque ces deux personnes avaient commencé le ministère, Adebo était un chauffeur. Oyedepo was a pastor. Oui. Oyedepo était un pasteur. Pastor, c'était, il était un pasteur en ce moment. Adebo était un chauffeur, un pasteur que va dolia. Driver benyene. Et Adebo était le chauffeur du pasteur, il a pris sa place. Yes. Qu'il a remplacé. Oyedepo a prêché avant Adeboye. Il faut investiguer, il faut lire par rapport à ces deux hommes de Dieu. Oyedepo, he started from nobody. Adeboye church a leken go yava. Donc Adeboye tout le dit, yena be wo explore so wuya. Si l'on veut commencer de si l'on veut parler de celui qui a commencé le ministère avant tout, c'est Oyedepo. Oyedepo, il y a un tova clou, il y a un winner chapel. Amen.
Adeboye a church a levo, benya chauffeur na pastor. Que pastor me le wa yo so yava. Grâce de souri no kwa ba dar fun bim. Ma me nouvelle va souri na, yebe church yava. Que kereji. Amen. Amen. Ndi vo voto de lo ma. Chaka chaka de vale mo nya ro gboro nti. Oh, you know, Kaka, finally he came to have sense with the man. I bet you are a senior pastor. But I bless you, Matine. And you are my guy, you're praising the Lord. Hallelujah. Now, no, but Daniel. Et si l'on dit Daniel, I'm a gao gogo tracode leyame. Et qui a un esprit supérieur en lui. Yeah, Amado va. Les comprenez. Oh, va fouiller. Il y a d'autres personnes qui étaient là pour le fouiller, l'investiguer. Et comment peut-il fouiller ce dernier s'il ne connaisse rien à propos de ce qu'il fait? Et après l'investigation, et là, ils se disent que nous l'avons approuvé parce qu'il a été un homme fidèle. Très bien, merci à Mabora. Obé. Quand on met un pognon, allons nous bebler au wade que l'on ou elle a bien et bien encore et on met pas vos toto, allons nous bebler au wale et ou. Non, mais Kenye, ame, misobe, Nabucanaise avait amo, afakalao, huno, ame mao togbe, intasela, ou vava, kung comme un coup de Daniel, l'intia, ou la pombe l'inti, allons me blâmer. C'est la bombe le frile, comme un coup de Daniel. Vame kokun coup de Daniel, l'intia, ou d'arina mi kouas. Mia niesre kabena mnya megbalo onyo they are also filled with the spirit egano be Daniel for takliwa mnya go mnya ba me onye kike meto they are also doctors and teachers of the law c'est les que Nicodemus va Yesu go Yesu bi ese bena de mnya gbalen fi ala for mnya nu yewo ma amedela ten o ma obedo 10 ans amedela va 3 ans ma ola na revelation que mena 10 ans ton e mena no clear na mi praise the Lord e mena o leko ne no clear na mi amen entina dix ans, trois ans, on va gromogna, dix ans, elle a été jugée. Alabé, la preuve, il y a quoi, Ananias, que de Paul, Ananias est tracé mon Paul. Vous comprenez que ce n'est pas le roi, Fikon, on va Ananias, d'Assira, Mérédi, Bécodon, Yolio. Amen. Amen. Fikon, on va dire, il y a un peu de l'Yolio. Président de l'Ordre. Hallelujah. Donc, alors, sauf Timothée, on va la vie là. Melio. Amen. Pasteur Tissier, matin, bien fait. Melio. Président de l'Ordre. Hallelujah. Alors comprenez que Daniel que ben yami le gloria, dont nous parlons ici, et si quelqu'un l'a prouvé, si quelqu'un l'a fouillé et l'a prouvé, dit qu'il n'y a pas de faute dans sa vie, alors sache que et ce dernier avait travaillé un peu. Ils se sont évertués quand même. Et bien, comme ils n'ont rien vu comme dans la vie de Daniel, c'est seulement avec sa vie de prière qu'il sera accusé. Mais il lui avait dit que celui qui échoue à la loi du roi va entrer dans la fosse au lion. Et il y a un Daniel Soubo antico. Praise God. Hallelujah. L'école le soubo ma webedo. Et comment tu sers le Seigneur aujourd'hui? Kika me tortan, o découvrir l'éke de kadia soubo mao. Ebe ta tortan, o découvrir l'éke de kadia soubo mao. Praise the Lord. Hallelujah. Vivia obe mo de kakete yon laten lelea. Enye be mao soubo soubo. Ok. Soubo soubo amea. Na mia me kukutri alomanya nu tepe nya tepe tola le subo subo ba pa diwa ke ese won ba be no subo ma o la lo de chata o be do mea Daniel la gbenu le ma o bo sereka wa bible be fifi nto be ga yejie ya. La Bible dit c'est maintenant que Daniel a intensifié la prière et l'adoration de Dieu. Bien qu'il y ait cette loi qui dit dès que tu adores le Seigneur, ils vont te mettre dans la fosse au lion. On savait depuis que Corona ben yava meroma ga ichochi kakavana gbewa. Que depuis le temps de Corona, il y a d'autres qui ne sont retournés à l'église jusqu'à présent. Mais blâmer. Est-ce que j'aime mentir? Bon nombre de personnes n'ont plus été à l'église. On savait depuis que Corona toka kakavana gbewa. Amoto le ma ou bon tocha. Amoto. A lot of people are no more Christians. Depuis le temps de cette pandémie, il y a bon nombre de personnes qui ont régressé. Nous qu'est-ce? Pourquoi? Nous t'as pas ouvert le subo subo amen. C'est parce qu'il n'y a pas la fidélité dans la marche bien adoration de Dieu.
Et nos vieux tels qu'ils avaient adoré leur Dieu. C'est le pourquoi leur Dieu avait agi dans leur vie de cette manière. Et qui a eu la puissance, la supériorité sur eux jusqu'à nous. Et tel que Abraham a marché avec Dieu dans la fidélité. Et c'est ce qui fait que Dieu dit qu'après 600 ans, il s'est souvenu de son alliance. Praise God. Hallelujah. Et tout ce qui n'a pas été fidèle dans son service envers le Seigneur. La question s'intitule. Est-ce que tu crois depuis ton cœur que tu verras Dieu? Tel que les gens avaient servi Dieu et voir la face de l'Éternel, c'est de cette manière que tu le fais. Aujourd'hui, je vis en temps de si. Demain, j'irai pas. Aujourd'hui, j'irai. Si ça me plaît, j'irai. Alors, si j'ai le temps, j'irai. They don't do that with God. Et ils n'ont pas fait ça avec Dieu. Ils n'ont pas fait ça avec Dieu comme ça. Aujourd'hui, si ça me plaît, je vais donner ma dîme. Demain, si ça me plaît pas, je donnerai pas. Si je vais, demain, je vais pas le donner. Hein? Et tu n'adores Dieu à aucune personne. On parle de la fidélité. C'est de la fidélité qu'il espère, qu'il attend de nous. We don't have that zeal. Nous n'avons pas ce zèle. Prophétie que menait les filles, il va confirmer prophétie. L'homme de Dieu 95. Church qui est Togo kaka autant au lac pour évangéliser les tout deux mais va. Mais y a Togo to c'est au labe au Sénégal bien encore donc il va y avoir région mais au labe avec Jésus. 95 amia soit Abidjan va Togo. Mais quoi pour menier quoi amia donc quand on a besoin de monter. En 1995 un pasteur est venu de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant mais tout le monde si l'on parle de l'onction qui est venue sur quelqu'un, ce n'est pas de l'amusement. Et à moi, mais là quand on a kavana et le signe de cet homme de Dieu serait dans la vie de du pasteur jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'il y avait une relation. Yes, il a eu une affaire avec 95-2022. 27 ans après. Cet homme de Dieu qui est venu de la Côte d'Ivoire depuis 27 ans maintenant, cet homme de Dieu depuis 1995 s'appelait Paul. C'est lui qui a donné ce nom Timothée à notre pasteur. C'est lui qui lui a donné ce nom. Après 27 ans, ce dernier a toujours une boîte, une huile de cruche avec derrière cette. Non mais moi, même le maudo de 95 quand le gonata le Togo ya, amela c'était là Abidjan ya, mais va Togo bien va gonama on a tué qui? Minosa. Mais attends minya, mais amen qu'on a 95 vers régime amen. Minya, 95, amela deux fois toi Abidjan. Sûrement vous ben demain t'es pas garé avion y'a même pas non, garé mais t'as y'a quand avion le lomé y'a Abidjan. Aska imelio, allô le, Elia, au revoir. Bon, pas seulement de l'avion va y aller. Elle doit vous voir. Maman, elle doit vous voir. Ah, oh, quoi, elle va d'autre voir, mère. Praising the Lord. Alléluia. Elle doit vous voir, Bidjan. Il a couru. Et quand même, il y a tout le monde à Gandhi. Il y a tout le monde à Gandhi. À ce temps-là, il y a même un Togo va l'évangélisation. Le Togo va quoi, mais pasteur, that is cool. Pour le
Dans cette enti nebe impartation ko tole kuleru kakagba sûrement mo ko numane 95 atento no nobe dati school be le pro pastor wa o la gba fa terminal terminal togo be back et no la dagbele kakaka agbeli meme ya ete meme parfois gado mo to ma ko eru chon ayi school kaka do terminal pastor la tu a fire ba ko abe ya ikuleru ma ga gba fa ma mo lo. Oh, praise God. Et tout le monde, il y a là-bas qu'à s'aimer à mes courants, on m'a gobe vraiment. Et tu m'as pas. Non, non, quand même, il y a deux noms, nous te fais qu'à Béja, ou y'a d'artiste qui prend pas son rôle, il dit, t'as qu'à y parler, mais nous tournons. La C16 étude en 1995 en classe de terminale pour suivre un homme de Dieu qui est venu de notre pays et rentrer vraiment dans les contrées du Togo à cause de l'évangélisation. Et tu n'as pas, mais. Et bien, prédication, au tournant, vous n'avez pas de choses qui me bélient. À ce moment-là, nous, quand nous avons tarodia, nous avons de cadia où nous te fait. Et voulons un risque, bagbe. Elle avait atteint le temps. Elle disait, ne pas soit allé, au le fou, mais le yako, au début, il y a un cacamon à la forme, il doit faire le gobe tout le temps, quand tu as joué. Mais qu'est-ce que c'est, pas soit? Il a risqué aussi sa vie. Alors c'est pour cela, si tu vois son message qui est différent dans l'église là où il a été. Si tu vois que le Seigneur marchait avec quelqu'un dans les dimensions données, et tu te dis c'est la grâce et autre, c'est parce que ce dernier avait bougé le Seigneur à travers un fait, c'est pour cela qu'il a décidé de marcher avec lui. Praise God. Alléluia. Non, mais il y a seulement nous te faire au moment. Et tu décides de marcher dans la fidélité. Risque-le, mais. Il y a des risques dedans. You must be very serious. Et tu dois être vraiment sérieux. You must be ready to die. Être prêt pour mourir à soi. Nous te faisons la fidélité. Mais il y a son sur yo. Et ce n'est pas une marche vaine. Tu dois être prêt pour mourir à soi. Être prêt pour toutes les circonstances qui doivent venir. Nul ne serait dans cette vie. Et ça marche dans la fidélité. Va voir la face de Dieu. It's never possible. Et ce n'est pas possible. You will see God. Tu ne verras pas Dieu. Celui qu'on appelle Dieu, tu ne le verras jamais. Praise God. Alléluia. Amen. 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 Néhémie chapitre 7, le verset 2. Néhémie a parlé de m'entrer beaucoup à me faire. Praise God. Alléluia. Suivant Néhémie 7, le verset 2. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Hananiah, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité. Homme supérieur au grand nombre par sa quoi? Sa fidélité. Et tu dis le drame, il y a des fiers de Afianoa, Maufa Afianoa, et bien nous te faisons voir, et tu as ce fiers de vous. Lorsqu'on intronisait ce dernier sur la maison de Dieu, c'est à cause de son infidélité. Et bien Hanania, il y a quoi de fiers de Afianoa, c'est parce que nous te faisons voir. Anani, je l'ai intronisé roi sur la maison, c'est parce qu'il est un homme fidèle. Praise God. Alléluia. Eye me dono finye Hanani, ple mo la fe amega Hanania. Nkongla, amega Hanania, Jerusalem nu. Ela bena, enye anikode to, ple ma vola wu amebubu gede wu. Aso fwe belego, anikode to, ku ma vola wu amebubu gede wu. Et qu'il est fidèle et craint l'Éternel, c'est pour cela que je l'ai intronisé là-bas. C'est pour cela que je l'ai intronisé comme roi. Christo, chrétien, how are you working about your fidelity? Et comment tu travailles à propos de ta fidélité? Doka
Et quelle œuvre que tu avais fait tu à propos de ta fidélité? Et comment est-ce que tu considères cette parole? Et comment est-ce que tu le vois? Et tu le considères comme la parole des pasteurs? Praise God. Alléluia. Et si tu es un homme fidèle devant Dieu, et Dieu ne peut jamais permettre à ce que il ne va jamais permettre à ce qu'il y ait des rongeurs qui viennent ronger dans ta maison. Et ce en quoi tu étais fidèle, il va protéger ce côté pour toi. Alors si tu n'as pas été fidèle dans un domaine, ne crois jamais que le Seigneur va le sécuriser pour toi. Je vous avais dit quelque chose au préalable. Et que j'ai lu concernant Job et la part de Dieu. Et là j'ai demandé bon nombre de choses. Et l'Esprit de Dieu m'a aidé. Et si nous lisons la Bible, nous voyons que Job faisait des sacrifices. Il aidait les veuves et les orphelins. Praise God. Mais aucune partie ne m'a enseigné que Job a fait ceci dans la maison de Dieu. Celui qui sert dans ma maison, c'est dans sa vie qui aura la bénédiction. Mais lorsque ça praise God. Alléluia. Récompense que ne toi ya préserver fuma na yenti be mega kasi e mo yanti o. Et ce dans le domaine dans lequel Job a été fidèle, c'est pour cela que le Seigneur a dit à Satan, ne touche pas à son âme. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et tu sais comment? Alors comprenez. Néhémie que nous venons de lire. Que la personne sera intronisée roi dans la maison. Et que à cause de sa fidélité qui dépasse les autres personnes. Jean 17, verset 9, Jésus va être au Bernard, mais on t'a là, mais on te fait coller. Amen, il y a quelqu'un maintenant, il est au Bernard. Et Jésus dit qu'il a prié pour ceux-là qui le suivaient et non pour le monde entier. Alors si tu suis quelqu'un, permets que ta marche avec lui soit une marche de fidélité. You can never come and enter into a covenant with a man of God. Et tu ne peux jamais venir entrer dans l'alliance avec l'homme de Dieu. Et marcher. En dents de scie. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité, tu vas souffrir. Est-ce que l'homme peut flatter, peut duper l'esprit? Amen. L'homme, en voici l'homme. C'est l'homme qui est ici. Mais ce n'est pas l'esprit qui est en lui qui œuvre. C'est autre chose sur moi qui fait son travail. Alors si tu marches avec ce dernier, et dans la vie de ruse, de malice et de l'hypocrisie, et tel que tu le fais soi-disant, je suis civilisé, c'est toi seul qui souffres. Et toi seul qui dépéris. Praise God. Alléluia. Nya ma gbo nyon de pebe ile do infection be problème ye gynécologue gbo ton be ma denu ni ye nti o. Je n'ai jamais vu une de quoi? Femme qui a des problèmes de l'infection a été chez un gynécologue et elle ne va jamais accepter à ce qu'elle soit jouatée. Et quoi? L'as-tu une fois vu au hôpital? Votre doigt ou faire la première fois. Et comme nyon ba fido le no badu ya. You have no choice than to obey. Est-ce qu'il veut dire en certains lieux où tu viens, yes, tu n'as pas de choix que d'obéir? You have no choice executing. Et en certains lieux dès que tu arrives, tu n'as pas le choix, tu dois. Mais c'est en cela que nous acceptons, c'est vraiment cher pour nous. Nous donnons plus de valeur à ce côté.
And we can never receive. De ce côté, nous sommes prêts même jusqu'à l'opération. Mais dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas prêts et nous ne pourrons rien recevoir. Fidélité. La fidélité. Fidélité. La fidélité. Et il y en a mis. Nous en avons besoin. Praise God. Alléluia. Et il y en a mis. Nous en avons vraiment, vraiment besoin. Amen. Amen. Seigneur, Luc chapitre 16, verset 11. Jésus globe, et bien, in mammons, et you have been mammons. Non, mais tout n'y a pas de problème, le collatin son, Luc chapitre 16, le verset 11. Luc 16, le verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et quoi? Qui vous? Eh bien, mais car. Eh bien, que mes nia te fait tort, mais t'es tout nia te fait des mots. Tu n'as pas été fidèle dans ce domaine, dans cette richesse injuste. Mais qu'elle a t'en connu te fait toi d'assiou. Maintenant, qui va te confier chose juste? Bon, le col de Wadokura. Regarde comment tu traites ta vie. Voleyoma ou bene tonai. En invoquant Dieu d'intervenir et de pouvoir vraiment intervenir dans ces affaires de tâtonnage, de te libérer de cette misère. Tu travailles et à la fin du mois tu perçois ton salaire. Mais comprends qu'un jour viendra et ce travail tu auras la retraite dedans. Est-ce que tu avais semé? C'est ce que tu vas récolter dans ce moment. Alors en ce moment, non seul que tu marche comme tu veux. Non, non, t'as pas mal. Et en espérant bien attendant Dieu. What I worked for so many years back. Est-ce que ce dont j'avais tracé, pourquoi j'avais travaillé, ça fait des années passées? Eh bien, récoltez. Et en voici les récoltes qui sont devant nous. Est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Les récoltes sont devant moi. Mais comment souvent on n'audace pas? Prenez l'adoration de Dieu comme un jeu de la carte. Ça n'audace pas. Et prends ça comme un jeu de la carte. Et ce qui a séquestré ton âme aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui que ça a été fait? Et pour d'autres, ça fait déjà 1000 ans. Pour d'autres, ça fait 800 ans passé. Pour d'autres, ça fait 100 ans. Mais la situation t'a séquestré. Alors comprends que tel que nous venons de lire le cas de ces derniers, alléluia, qu'ils avaient été fidèles et Dieu les avait gratifiés. Et bien qu'ils sont déjà morts, décédés, ça fait des années passées. Mais nous leur nommons aujourd'hui. Alors comprenez que ta fidélité ne va jamais vraiment se perdre bien, ou bien s'évaporer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe chapitre 28, le verset 20. Le dodo bak ba le tabla ve vo e ni kukui bla ve. Nous te fais wawo. Proverbe 28, le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Oh ben, un homme quoi? Fidèle. Un homme quoi? Fidèle. Et tu y a yera benuko, mi akwata ke mi vato chamere ke me va fie be jipo nti le fiero, ma one tro e bagbe, ne na ina desro, ne de le fukwe kwa me, ne na na imochi, ne na na i jifi, yen ti komi le fie maten yado, ye o globe na de, ame kenye ne nou te fe wola, ye bagbe me, benedisyon vana, vout point ba, ome globe me se amon, ome un homme fidèle. Vous tous qui êtes là ici, et vous cherchez vraiment un changement dans votre vie. Yeah. Que le Seigneur fasse ceci, qu'il me bénisse, qu'il permette que je voyage. Mais ceux-là qui possèdent ce que nous recherchons, c'est un homme fidèle. Mais nous, quand tu me vas converser avant, on le fait, n'a quoi? Et
Si tu es un homme, une personne fidèle, sache que les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. C'est une institution divine. Je vous avais donné une fois cet exemple ici. Lorsque nous avions voulu bâtir le premier hangar, le premier temps, nous l'avions commencé. Et arrivé à un temps donné, la dîme que j'avais vraiment économisé, l'homme a appelé, soit disant qu'ils ont besoin de l'argent pour les bois. Et j'ai donné l'argent pour l'achat des bois. Et c'est l'œuvre de Dieu. The house of the Lord. La maison de Dieu. Praise God. C'est la maison de Dieu. Et j'ai donné l'argent pour l'achat des bois. Et les bois ont été achetés. Les bois ont été achetés. Et fait la toiture de ce temple. Le chantier est bloqué. Et le chantier est bloqué. C'est moi seul qui savais que le chantier a été bloqué. Et là, j'ai commencé par prier. Troisième jour de jeûne. Et troisième jour de jeûne. Et le Seigneur m'avait dit, go and pay your tithe. Va payer ta dîme. Ta flagello. Est-ce que vous m'excusez, c'est la maison de ma vieille mère? Et non, pas payé. Ou bien c'est la maison de ma mère ici? Mais c'est la maison de Dieu. Et la dîme aussi, on l'amène dans la maison de Dieu. You people, you are joking about the things of God. You can never see God without your fidelity. Et tu ne peux jamais voir Dieu sans ta fidélité. Ne vous amusez pas avec les choses de l'Éternel. Et toi, nous bloqué. Le chantier était bloqué. Lorsque j'avais jeûné, prié, et Dieu m'a dit, va payer ta dîme. Et je, moi, en ce jour-là, c'est moi seul qui savais comment je me suis évertué pour rassembler cette somme. Et pour aller payer ta dîme. Et jusqu'à ce que je ne retourne à Dakar à Lomé, c'est en cela que j'ai su que Dieu, on doit le craindre. Et mes 2 millions sont quelque part. Et lorsque j'ai constaté que le chantier est bloqué, je l'ai appelé pour cette somme. Il m'a dit, si je pourrais vous retrouver cette somme, ce serait après 2 mois. 3 jours que m'a dit toi, mère. Et 3 jours pour aller à Accra revenir. Je l'ai encore appelé. Que j'ai vraiment besoin de l'argent. Eh bien, mon frère, il n'y a pas de hiaga. N'aime pas les yoga, il n'y a pas de diga. Donc, maintenant, caca n'a faim. Moi, que bébé, il y a 2 mois. Il y a mes joies à Accra. Caca m'a gossé à Accra. Elle va tout faire d'arrivée, ça va d'arrivée. Jusqu'à ce que je ne revienne d'Accra, il est venu déposer les 2 millions d'argent. Dans ma boutique. Va tout faire, il est venu laisser les 2 millions. Et depuis ce temps où je suis revenu, je suis revenu ici. Quelqu'un m'a appelé par-ci, par-là. L'affaire par-là. Dieu. Si tu n'as pas été fidèle dans l'un de ces domaines, sache que tu as des problèmes. Aujourd'hui, l'affaire de la dîme constitue vraiment des problèmes. Le Nouveau Testament, mais afin qu'on ne débute pas, on a nous volé ma. Seigneur, maintenant, génération, ma ou ne veut mieux nous. Que le Seigneur fasse grâce à cette génération. What is the covenant of Abraham? Dima Abraham et Abraham be alliance ama elle alomelemo. Donc Jésus va tourner les Galatians. Ebenade, through Jesus you inherit the prosperity of Abraham. You want to take from the covenant of Abraham without paying tithe. You are a joker. Jésus a dit dans le livre de Galates qu'à travers lui, vous allez hériter de la bénédiction d'Abraham. Yes. Dans la bénédiction d'Abraham, il n'y a pas la dîme. Maintenant, tu veux posséder là-dedans. Ça exécuter aux lois qui sont dans cette bénédiction. Holiness.
So, my brother, my sister, when you are paying your tithe, you are not paying to pastor. Net enu e wole abe gamedwa aschemele churchi. Net gameva yava churchi. When todo koye ole flude me, you are not doing anybody at all. Present the Lord. Hallelujah. When todo nyabe mau yirai. Et tu sais bien que Dieu t'a béni. Ben mauena. Et toi que mon frère il de lundi au vendredi, kaka le tiku, revita me suruja faujo. Voy dans mon pamero kule dawa fawa. Weekend, you are smarter than God. Taflache is foolishness. Yakame no no bad bay. Dieu te détagbe bad bay. And le mumu bad bay. And now let no agbema. Many pastor, you let them about church, you let them about. When to you let to funya funyana. When to you let the problem now. Many ma wuyo. Praise the Lord. Hallelujah. So, this is in the Yema Galatians chapter Galatians chapter 3 verse 29. Obenego, est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous êtes à Christ? Vous êtes donc la prospérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. And the promises of God. Mo ben gbedo toa, they say that esa condition that en tebe na wonu ya ma wonu ya leke no. And the promise que l'Abraham benu o me a. Tim leme. And I am going to go oh, Maubenade, no, Wolia, my yaw. Name Abraham, no, Wolia, Fika, my sister, there's a reason to do Coca. I entronized, I saw do prosperity by Alliance. Now, Abraham, I left you out for Salem for some people like you are. Fika, Mona, Tona, Lebena, Asomania, Melona, Lebano. You are jokers. Name me the mille fiers mina miato me bablo de nyenye na me kede mille homme le fier et chome le tout bena be God, what is the problem of this generation? Est-ce fiers me be their heart? Hier je priais, je demandais à l'Éternel. Amen là bas toi t'es le fier avec le prophète tout bena de ta y'a quoi percé promotion et restauration guérison tu viens de dire ben gamme va au coup prophète toi d'accord? Et on est notre ben nous mané notre nation mais it's just a matter of time will tell. Praise God. Hallelujah. De quand j'ai vu me piquer le homme, je me suis dit, je ne sais pas si je suis me je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, si je me rappelle bien. Fille que belle auto, là, il y a soupiré, elle est coiffée d'or de l'homme à Burkina. Voyez, elle est salée là-bas. Elle va toucher. Il y a mal, au chant, on va. Correct. Promotion a get me mess up. Salaire a le double, triple, zreka. Eh, oh, not a mikpa ma hoe. Oh, la va pas enveloppa. Ma fuma. Mikpa convention a tchon matin, zreka. Je vois yue. Contra ye ye. Promotion kim. Vous me piquez les fiers. A me sisi ka yso de ha. Combien d'années belle yo fuma gome yo. Nye représentant na yo fuma le Togo ya. A jobli po. E coiffe a tchon le Togo. So you do Burkina. Oh, on a million. Oh, mais il y a les filles avec 17 milliards parfois par mois. Voyez, 60 000 tout par mois. Non, non, tout non. Hein? 85 000. Hein? Ah, non, affaire qu'elle est. Elle est sur 17 milliards. 12 milliards par mois. Et à me quoi, il y a un temps, à me rôle de 400 000. À me rôle de 300 000. Il y a un temps. 85 000. Affaire, mais bon, bon, on l'est arrivé. Elle va dans la church consistently à musicien localisé. Mais t'as dit que tu es là, tu es là, tu es là. On va dans la church. On le tourne en bena. Pay your tithe. Do that. On est là. Intérêt, on est là. Et que tu es là, 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 tu es. He brought money. Mais pasteur, gamin, il y a et gamin, ton anglais, non. Et tu n'as même pas, on a des noms, on le fia, mais gâteau, ben, et n'y a pas intérêt. I am never session, mais ma dame, je suis d'offre. Et comme je suis, et comme mignon. I have about 7 businesses. A faire, on m'a adressé la same one. So, I know. Mais n'y a pas de n'y a pas de n'y a pas de n'y a pas de Ochawe. Ochawe, lego. Ochawe. Engagement. Engagement.
dans la fidélité. Yes, Lord. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Non, mais il y a pas de chouchi. Fidélité. La fidélité. It pays. Que celui qui n'a pas été juste dans les richesses injustes, qui pourrait lui donner ce qui est juste? Maintenant, verset, mais les nations Ancien Testament, les Nouveau Testament, les Saint-Esprit Testament. Je donne les versets depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, jusqu'au livre du Saint-Esprit. The teachers of the law. Et tu verras les enseignants de la Bible qui disent que Jésus n'est pas encore mort en ce moment. C'est pour cela que Jean te donne le verset depuis l'Ancien Testament. 3 Jean chapitre 1 verset 5. Johannes ton lia. 3 Jean. Johannes et ton lia. Am I saying something? Est-ce que je dis quelque chose? 3 Jean 1, le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Praise God. Alléluia. Que bien-aimé, Et sois prêt pour agir fidèlement envers les frères et les sœurs. En voici les conditions, les lois de l'Alliance. Les recommandations de l'Alliance. Dieu dit, si tu marches dans l'infidélité envers lui, tu ne verras pas la prospérité. Praise God. Alléluia. Mes amis, à ta fouille. Bien-aimé, trichons-le. Merci, nous aimer. Anacons-le, escroquons-le. Ah oh. Non. Ah oh. Non. Jephthé. Maudesi. Dieu le connaissait. Ben, à nous connaître, ben, qu'il est un homme juste. Nos vieux ont rejeté. Et ses frères l'avaient rejeté. Vraiment, au quoi va? Mais Dieu l'a ramené. Okay, ma, quoi va? Mais lorsque le Seigneur l'a ramené, et ce qui est sorti de sa bouche envers Dieu, honoré. Il a honoré ou pas? Et alors, si Dieu lui a donné la victoire, et il connaissait son cœur. Et sachant que ce qu'il a dit avec sa bouche, et il va le faire. Je vais prier pour un homme ici. Et je lui ai donné une prophétie. Et il m'a dit, si la prophétie se réalise, le contrat est signé, il va donner 10 millions. Ce n'est pas à moi qui l'a parlé. Et j'avais donné la prophétie à ce monsieur, et le lundi lui-même il était venu, moi j'étais au bureau, et il a prié ici en donnant un vœu, en faisant un vœu sur l'autel. Et lorsqu'il est rentré dans mon bureau, le Seigneur m'a dit qu'il a fait un vœu sur l'autel, mais qu'il ne pourrait pas respecter. Et dans le bureau, il y a maintenant 10 millions, moi je suis désolé. Lorsqu'il est rentré dans... Lorsqu'il est rentré dans le bureau, il a bel et bien reçu ce travail, ce contrat, mais où sont les 10 millions? Lorsqu'il est rentré, papa lui disait, c'est toi qui dis que tu veux donner 10 millions à Dieu. C'est pour cela qu'il a fui l'église. Praise God. Alléluia. Mais bien le bureau, il y a un 10 millions, ma voix. Je lui ai... Eh bien, comment tu... Et trop tôt, va pas confier, ben là. Allons, micro, ne le fier. Ça dit, he was confused and he doesn't understand. Il me tourne, ben, mon frère, et nous, qu'on bloque, nous, matin, ouais. Eh bon, et je m'en m'accouais. M'accouais, il est mis là. And he is running from prayer temple. Le dimanche, toi, fio. Et demain, que ben, quoi. Promise and fail. You see?
You don't joke with God. Oh. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il avait fait un vœu avant de pouvoir bâtir un temple dans son village. C'est pour cela. Dieu est un esprit. Et l'homme ne peut jamais le duper. Tu ne peux jamais. Fidélité. La fidélité. Fidélité. La fidélité. Est-ce que vous venez de papa, je me dis, je vais aller en soirée. Je vais la signer. Je vais la signer beaucoup. Mais je vais la signer. It's about the heart. Hier, quoi, ma. Mais va toi te réfier, mais ton nom est sur 500 000. Amen, que bien, 500 000. Amen, que bien, 1 million. Amen, que praise God. Hallelujah. Et chanem au alliance le fiam bien yade mo weto no be mo ke jo kolona du kwa to san o me ga le kolona nemo. Na ja au alliance le fiam kolona be 300 000. Na me le o me ga ba fiam. Na nemo wana nemo we cha twim. Amopo na be donchi. Ke ba le dil ha mo be pro papa. American kuma o. American kuma fumo na mi akwata. Mi akwata me ga fumo na cha. E ga zufu ja holo. To fa na be break. Praise God. Hallelujah. Fidelity. La fidélité. Fidélité. La fidélité. C'est comme ça. Non, mais sur climat ou le moi. Si tu ne marches pas avec Dieu dans la fidélité, you can never see anything. Tu ne peux rien voir. Olé, c'est un arrêt, est-ce que tu comprends quelque chose? Sur climat ou le nous te pas voir les assonisons au moi. Et que tu sois fidèle dans la marche avec le Seigneur. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Matthieu chapitre 25, le verset 23. Matthieu Bakba le tabla vevo à ton pour que blague et ton. Matthieu 25, le verset 23. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Et bien, sous mon vie, il y a un peu de temps. Autour, il y a un peu de temps. Tu écoutes, amen. Ma son gant d'assio. Que tu étais fidèle dans peu de choses. Ma son gant d'assio. Je te confierai beaucoup. Mais comment est-ce que vous allez me et voyez nos églises aujourd'hui. Nous devons m'aimer, on a besoin de toi, tu as le peu fou. L'infidélité a fait que l'église souffre. Depuis les conducteurs jusqu'aux membres. We are doing our own things. Et nous faisons nos propres choses. Et nous marchons à nos désirs. Tout se passe d'une manière parallèle. Le pasteur est là ainsi que le fidèle. Et le dimanche, tous ensemble, nous crions: Seigneur, ouvre les cieux. Et tel que tu marches avec Dieu, fais un retour dans ton cœur et pose-toi la question: est-ce que c'est comme ça que tu devais le faire? Praise God. Alléluia. Pose-toi, il faut s'auto-poser cette question: est-ce que c'est comme ça que je dois marcher avec Dieu? Et bien, nous te faisons là. Et dit le fidèle. Là, nous te fais, voilà. Un serviteur fidèle. Oh, nous te fais, le mouvi, que aussi. Tu as été fidèle dans peu de choses. Maintenant, je te remettrai de grandes. Christ, chrétien, nous, tout ce que tu fais sur cette terre, voilà. Un jour tu vas le quitter. Mais ta fidélité, la fidélité entre toi et Dieu, génération, voilà, va nous aimer. Ta génération va le manger.
La fidélité qu'Abraham avait exercée devant le Seigneur, c'est ce qui a permis que jusqu'à présent, le nom d'Abraham est donné. Je vais acheter un billet d'avion, yes, aller voir ça, ça tombe en Israël. Je vais voir comment ils avaient. Ont-ils été des hommes comme nous? Ils ont trois têtes, sept pieds et autres. Je veux connaître des choses par rapport à ces personnes. Timothée 11. Be careful about things of God. Et faites attention à propos des choses de Dieu. La marche avec Dieu, c'est autre chose. Le fait de venir à l'église, c'est autre chose aussi. Être l'ami du pasteur aussi, c'est autre chose. Fais très attention. Prends garde à ta vie. 1 Timothée 3, le verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèle en toutes choses. Ce n'est pas seulement les hommes. Que les femmes soient fidèles en toutes choses. Ton mari t'envoie au marché, reviens avec le reliquat. Ne me regarde pas ma vie. Il n'a pas donné l'argent du transport. L'argent du transport. Il y a des femmes qui volent l'argent de leur mari. Yes. Fidélité. Que les femmes soient fidèles dans vos foyers. Ne prépare pas la viande et tu prends 5 boules de viande et tu donnes 2 à ton mari. Il y a des femmes comme ça. Dans la cuisine, elles mangent à satiété et le reste c'est pour papa. Elles mangent à satiété dans la cuisine devant la marmite. Praise God. Alléluia. La fidélité. Les femmes. Fidélité. La fidélité. Dans vos vies quotidiennes, mettez la fidélité dedans. Et vous ne les comprenez pas. Vous croyez que nous sommes en train de vous obliger. En voici les récompenses. Dieu a dit, invoque-moi dans la détresse. Et je vais te révéler ma justice. Mais dans le domaine de l'alliance, c'est l'engagement de deux personnes. Et non une personne. Et non, Dieu ne va pas faire sa part, remplir sa responsabilité. Et toi, non. Praise God. Alléluia. Engagement, bébé. Dans la vie de l'engagement, et Dieu ne va pas faire sa part. Et toi, tu vas t'y opposer. Dès que tu l'exerces en même temps, les réclamations descendent. Souvenez-vous que Jacob, il a fait un vœu à l'Éternel à Luz. Et lorsqu'il est parti à Mésopotamie, il est en train vraiment de s'enchaîner. Et la Bible dit que le Seigneur l'a rencontré lui disant, retourne là-bas et va exécuter au vœu que tu m'as fait là. Est-ce qu'il veut dire que Dieu a fait sa part? Donc, elle va réclamation. Alors il est venu réclamer ce que Jacob a m'en dit. Et Dieu réclame sa part. Non, si ce n'est pas clair pour toi, alors amuse-toi avec. Non, et tu verras les retomber. Praise God. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3.
Thessalonica to felia tameton bukui ameton. Obe mau kenye nutefe wola ademi le miabe kahau kata. Que le Seigneur qui est fidèle et nous délivrera de toutes nos détresses. Alors si Dieu n'est pas fidèle, nous verrons à l'église et nous, là, nous allons l'invoquer en vain. Je vais te poser la question de savoir. Notre frère qui est en haut, dont je viens de donner un témoignage, si Dieu n'est pas fidèle, j'ai prié pour lui, est-ce qu'il va le délivrer de ce problème? Ce qui veut dire que Dieu est un Dieu juste. Et mon frère, Dieu l'a déjà fait sa part. Mais si le temps de Dieu sonne pour, un pied ici, il fera un pied là-bas. À fort de cas, le Congo, à fort de cas, problème que nous le church. C'est le problème que nous avons à l'église. Aujourd'hui. Il y a certaines personnes à l'église. Et Dieu vous a opéré un miracle spontanément. Mais lorsque vous devez ramener le retour à Dieu, et la situation a changé de main. Il y a certaines personnes ici, vous n'êtes pas sous le joug des esprits de famille, mais sous le joug de l'Éternel. Que Dieu ait pitié de vous. Le masada. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur comment? Et quoi? Fidèle. Et tu ne m'as pas dit que tu de pas le fou, mais je ne sais pas si tu es un fou. Je ne sais pas si tu es un fou. Je ne sais pas si tu es un fou. Si tu es un fou, mi ko le ke mo temi antiro fo egbe na mere tono bo cho la te fle super lata ola be aje mi amedo na mere tono bo cho la mlo homa cyclimatiser ola be fika nwa la te jole o kaka po fika o to kaka ma o pere chi o kaka o ba do fi o do egbe ara ko ba do fuma fo so e kenye to a o la sonea o le subo e ku do emotion ku sentiment do pastor nti pastor e do to le fuma fo ola nanye pastor e do na me to le fuma de. We are also operating under somebody. A tochola and chamanya mare. And Timegachobe, a focole de wa, and your bole de ruda. I am just a messenger. Moi aussi, je suis juste un messager. Correct. Et je traverse sous le coupole de quelqu'un. Yes. Alors, les pas que je suis en train de mener, ce n'est pas envers moi, mais c'est contre celui-là qui est notre conducteur. Praise God. Hallelujah. I am just a messenger. Je suis juste un messager. Je suis un envoyé. Pour pouvoir libérer le message que j'ai reçu. Et moi-même j'exécute. Sans l'exécution à cela, je ne pourrais pas me tenir ici. So it is not about pastor preaching and members. Mais pastor là bas bolonga quoi faire. Si je n'ai pas été fidèle dans les affaires de Dieu, il ne va pas élargir ma tente jusqu'à ce niveau. Maintenant, Benade, non, le premier ministère, ce ministère de Otobea, où est? Si tu conduis un ministère de cette envergure, sache que c'est un coup. Ce qui veut dire que when the church is having problem, si l'église a un problème, you are having problem. Toi aussi, tu as des problèmes. Ne, on les églises renommées en haut, Baptiste, Pentecôte, Assemblée, non, il n'y a pas sur le fuma. On a un problème de cœur. On ne peut pas sur le roi, mais il y a un problème de cœur. Non, mais quoi, là, va gagner que ça me dit, il y avait dit. Non, non, nous 300, on l'a fait tout ça, il parle, c'est vous, vous on l'a coco, de nulle part, on that side of the desert. On va planter au dari, à fois, on va courir à la to look after the soul. Na pogo, ba me on a des terrains, na chowanti, na nanu word, na bla binao, mais n'y a pas gai yo. Non, le church, il m'a dit, you are never working for God.
paga yolewa. Mabelego. Paga yolewa. And abena medeva churchy. Churchy a vividia. Nel lala tavrache. Nde chorji vividia. Louis lanya la biota. And I yon be papa nelo lala. And lala be panzo solo huame. Praise God. Yen tola yo. Vo eglise wam omgo pastor be numero kagala yo. Donc on a ce beau sœur et André de Kewa. Ok, mi a dit ça, me dit pas moi. Praising the Lord. Hallelujah. So in this type of ministry. Et dans ce type de ministère. Et tu vois le Seigneur utiliser. Maman pasteur, une chose maintenant garder ta. Et ça même là, y a Bobo vont voir quoi ton ébène. Pasteur, ma qui me les garder bien y'a mais. Yo t'as où pasteur? Mais y'a quoi quoi non? La fois dernière, j'avais prié pour la maman pasteur et elle a rêvé, voyant des esprits qui lui disaient dans le sommeil que ce pasteur qui veut intervenir dans tes propos, nous allons tuer le pasteur qui intercède en toi. Les démons ont déjà les flèches sont envoyées. 1 Corinthiens 10, 13. Seigneur, ne m'aou kenya n'y a pas de temps, mais toi t'es de bon, y'a quoi, bah si tchot j'ignore. Premier jour, mais toi, mais y'a pas, mais quoi, danou fou, y'a pas, mais y'a fou, va économiser, va natotia. Mais tu es, et physiquement, et wow, choc. I spend over a million on Dakar. Praise the Lord. Alléluia. Après, mais qu'a pas de banane, obé, mais y'a oué, pasteur, ma qu'elle est, mila, oui, nemi, oui, y'a, fico la si, berou, mila, quoi. Et y'a toi, Malo, ou y'a toi. Et vous toquez, et vous les gnam de nous, Fébla, ton ya. Fébla, veya. Ou les trois fois, papa, nainamblo. Ou les deux bonam, à tube, bobofon. Non, bonasso, belle. Ou la toi, goût. A toi, homme. Aïe, taille. Mana, tolaque. Ou la foufou, gagagagon. Aïe, Nigeria. Avec un Nigeria, tosopé. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Manya nya video. Ken pa mdo la jona medeji o la kokko to le funa. Bien comme ça la teno. Ne mi pa mdo nye komi wona paga ya romele gromo nya yo ben komi amedo mi sone se bena nuke menye ku mi to minye. Hein? Na chula ba to chi le fia e mo ke be fle la so va ne jami wo pne. Kaka on bia ka me vola ami vola mo ame. Ami ame kona nyi ba cha. Ami, emo, house juma, ne wo plein ne be so yaba church yare. Kaka on bia kea, ami an folle moi mela. O sa di, o me do so na mo kriolo. Ami a chama kongbe le kwa mo, karo di ole, na mi kongbo la kwe. A fwe me be bobo fon. O atake be ma to le fuma po. Gare me la gona tochi, ame jamido mo me gona tochi, ame lava vole moji. Lava no temo. Just to discourage him, not to go. Me ka yo. Go profon. Yo me va dafo nyan wame. Benu mala no te, emo, me komo la so, do vume. Ne mo tata 90 jours, e plevo, bim. Fai wo topo kai. E kanton toba no me ne meten plevo a ho. E to savu po, meten plevo. Afin de me voir, il y a un homme qui m'a dit, on se voit dans notre joie. Bon, on a fait, 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 la fidélité. Que le Dieu qui est juste et fidèle vous délivrera de tout ce qui est. Maintenant, si par sa justice, il t'a délivré, maintenant ta part. Mettez-vous à genoux ce matin. Et dis, mets-toi à genoux. Et supplie le Seigneur. Supplie Dieu. Ben.